Du Bah écoute, coup, je suis prêt alors quand ben, tu veux. on va commencer l'interrogatoire. Parce que toi, tu as la particularité, Thomas, de ne pas être résident à Orléans. Et est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, où tu habites? C'est Thomas Ballesteros, alias Caprius, comme on m'appelle tous. Ouais. Je suis résident à Saint-Cyr-d'École. Je viens une fois par mois à l'association. C'est assez cool de venir une fois par mois. Et ce qui est cool, c'est que malgré ma distance, j'arrive quand même à suivre les parties de JDR. Et de quelle manière d'ailleurs t'as découvert l'assaut? D'un ami, Léo, en fait, pendant le premier confinement, il m'a dit, tiens, alors au début, enfin, je connaissais un petit peu le JDR, mais juste, j'en avais jamais fait. Il m'a dit, tiens, ça te dit, mon association en ce moment, on fait du JDR sur Discord, ça te dit d'écouter, peut-être participer si ça te plaît. Et il m'a d'ailleurs, il m'a même donné une vidéo à regarder, Aventure, qui est un Ouais. JDR que l'on suit avec des joueurs et MJ, qui est plutôt pas mal. Et c'est ça qui m'a donné envie de faire du JDR. Et du coup, j'ai connu les personnes de l'association comme ça, et du coup, qui m'ont invité dans leur JDR pour continuer. Parce qu'en fait, toi, tu connaissais pas du tout le JDR, quoi. Non, j'ai connu seulement au confinement le JDR. Enfin, si Léo nous avait fait quelques parties, mais parce que quand il débutait, mais faire des vraies parties, j'en avais jamais. Et Léo, comment t'as connu les bâtisseurs, tu m'as dit, mais comment t'as connu Léo? Ah, Léo, je l'ai connu, c'est grâce à ma copine, c'était le meilleur ami de ma copine. Ça fait maintenant, allez, plus de 10 ans qu'on se connaît. Et du coup, je l'ai connu quand ma copine a voulu se présenter à ses amis. Du coup, je l'ai connu comme ça. D'accord. On était mangé un japonais, Et du coup, oui. c'était à Saint-Cyr, à Paris, à Orléans? J'étais sur Paris. D'accord. Oui, parce que Léo est parisien aussi, ça c'est quelque chose qu'il avait dit dans son interview qu'on peut rappeler. Ok. Du coup, ça fait pas longtemps que tu pratiques le jeu de rôle, toi. T'es un peu devenu accro, non? Parce que t'es présent très souvent et toutes les semaines, des fois même plusieurs fois par semaine, parce que tu masterises aussi jeudi soir sur Discord. Oui. En fait, j'ai un JDR le lundi aussi, lundi soir, j'ai un JDR qui se déroule sur Roll20. On fait soit du One Piece, soit du Naruto. C'est des mangas que j'adore, donc du coup, je fais pourquoi pas. Qui est très basé sur le RP. Quelque chose que j'ai du mal à développer, parce qu'au début, quand on te dit essaye de jouer RP, quand tu connais pas trop le JDR, c'est un peu compliqué. Mais en essayant de RP, à chaque fois, le RP s'améliore. Ensuite, effectivement, je masterise le jeudi où mes joueurs ne se plaignent pas, ils sont très contents des parties. Et de temps en temps, il y a quelques parties le vendredi auxquelles je participe, ou aussi que je masterise. Je masterise du Resident Evil généralement le vendredi soir. J'aime bien faire peur à mes joueurs. Le samedi, je masterise un peu moins, je sais plus si je participe. D'ailleurs, comme je suis à distance, généralement, des joueurs ramènent un PC pour m'appeler sur Discord. Et ça se passe plutôt bien. Et j'arrive à suivre le MJ et à suivre ce que font les joueurs. Donc c'est plutôt pas mal. Et de temps en temps, le dimanche aussi, je fais quelques parties. Ouais, Et donc ça fait pas mal. voilà, ça fait pas mal de JDR. Mais bon, c'est devenu une de mes passions. Et du coup, eh bien, ça se passe bien. Je passe beaucoup de temps aussi à préparer mes JDR. J'y passe au moins une ou 2 heures par semaine, chaque jour plutôt, dans Oui, la parce semaine. que je me disais, ça fait pas beaucoup si tu fais beaucoup de Non, non, JDR. non, c'est plutôt ouais, une ou 2 heures chaque jour par semaine. C'est des fois plus long à préparer qu'à jouer en jeu de rôle. Oui. Parfois, ça m'arrive d'arriver à la séance et de n'avoir rien préparé et de tout Que imaginer tu te du début débrouilles. jusqu'à la fin. Bah, c'est que tu si t'as de l'expérience, ça peut fonctionner aussi comme ça. C'est surtout pour le JDR que j'ai créé, qui est Donjon Titan. C'est surtout pour celui-là où vraiment, comme je connais bien mon propre JDR, du coup,
je sais quoi dire, je sais quoi faire, je sais quoi leur donner, je sais quoi donner à mes joueurs. Je commence à y connaître, et puis du coup, ça se passe bien, quoi. Et quand t'es joueur, on viendra à ton jeu après, c'est quoi tes univers de prédilection? J'aime bien tout, plus Heroic Fantasy. J'adore le Heroic Fantasy. J'aime bien faire le soit le guerrier. Enfin, j'aime bien les magiciens aussi, mais c'est un peu compliqué dans les JDR à jouer les magiciens. C'est fun à jouer, hein, mais je préfère jouer les gros bourrins, quoi. Et qu'est-ce que tu trouves dans l'Heroic Fantasy que tu ne trouves pas nécessairement dans les autres mondes? J'ai toujours aimé le monde où on joue, enfin, on utilise des épées, un bouclier, une armure. Alors, dans les autres mondes, c'est des armes à feu ou alors des objets qu'on trouve comme ça, mais pas. J'aime bien la magie aussi. D'accord. Et t'aimes bien aussi les univers qui se passent dans le manga? Tu m'as parlé de Naruto, de Ouais, One Naruto, One Piece. Piece, ouais, bah oui, c'est. Vu que j'ai lu tellement, j'en ai vu tellement des mangas, j'arrive même pas à les compter. du coup, j'adore l'univers manga, donc l'univers JDR manga, ouais, on va dire que j'aime bien. C'est pas ce que je préfère parce que comme Heroic Fantasy, ça change. C'est pas la même chose comment dire. L'univers manga, je l'en vois souvent, alors que Heroic Fantasy, non, on peut. C'est un univers différent et surtout, c'est pas quelque chose que je peux voir tous les jours. Donc, entrer dans la peau d'un personnage, c'est. En Heroic Fantasy, c'est plus compliqué que dans un manga, parce que dans le manga, tu sais à peu près comment réagir, vu que tu connais le manga. Ouais. Et quand tu es maître du jeu? L'univers auquel je suis à l'aise en ce moment, bah, c'est celui que j'ai créé, le Donjon Titan. Donc c'est plutôt du Heroic Fantasy un peu à la grecque, un univers grec en fait. Récemment, je me suis mis dans Terre d'Arcalan, qui reprend un peu Donjons et Dragons, que j'avais jamais masterisé Donjons et Dragons. Bah, c'était sympa à jouer aussi, mais du coup, je maîtrise plus mon propre JDR, où c'est moi qui ai inventé les règles du coup que. Et est-ce que tu as d'autres pratiques culturelles qui sont en lien avec les mondes imaginaires, comme le jeu vidéo, je crois que c'est le cas, le cinéma, la lecture, peut-être l'écriture ou bien une activité artistique plastique? Alors, beaucoup, je joue beaucoup le jeu vidéo, je fais beaucoup des RPG. Artistique, non, pas vraiment. Beaucoup de. Avant, j'allais souvent au cinéma. Généralement, mes parties JDR, je m'inspire des bouquins que j'ai lus, des bouquins sur des Heroic Fantasy, ou alors des mangas qui sont un peu dans la fantasy aussi. Je m'inspire beaucoup des mangas surtout. Après, pour tout ce qui est, par exemple, Resident Evil, je m'inspire beaucoup des films, des séries et du jeu auquel j'ai un peu joué. Du coup, tu consacres du temps à développer ton propre jeu de rôle. Et tes Oui. inspirations, donc tu viens de nous l'expliquer, ça vient aussi éventuellement de tes lectures. Ça vient d'un manga en particulier que j'ai vu, que j'avais adoré. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas le faire en. Pourquoi pas faire en JDR que d'ailleurs et j'ai repris aussi les bases du jeu, les bases des règles sont. J'ai repris un peu aventure, trois stats. Bon là moi j'en ai quatre, mais du coup ça comprend d'autres choses. Et du coup moi, au niveau de ma masterisation, j'avoue que j'essaie de reproduire un peu aventure où je prends exemple. Au niveau du masterisation, pour les descriptions, pour les combats, pour les réactions des PNJ, un peu, D'accord. voilà, en gros, je m'inspire d'un autre MJ pour m'améliorer. Voilà. Ta méthode, tes mécaniques de jeu viennent de Aventure, en C'est ça. partie. En gros partie, ouais. D'accord. Et dans le domaine de la fiction, tu as dit que tu allais au cinéma, mais plus, tu regardes peut-être des vidéos sur des plateformes. En termes de fiction, cinéma, série, livre, bande dessinée, comics, etc., quels sont les auteurs, les titres, les univers, les sagas qui t'ont le plus marqué ou que tu affectionnes en particulier? Viking, j'aime bien Viking, j'adore cette série. Sinon, j'ai regardé tout ce qui est film avec le roi Arthur. En manga, ce qui m'a plu le plus, j'ai regardé beaucoup de mangas style Log Horizon. J'ai adoré ce manga, vraiment, c'était
Pareil, c'était de la fantasy, c'est du heroic fantasy, et du coup j'adore ça. Overlord, ça m'a inspiré aussi pour certaines parties. En gros, tous les mangas qui touchent à l'heroic fantasy. Au niveau des films, je suis un fan de Star Wars. Et aussi, Seigneur des Anneaux, j'ai adoré. J'ai regardé tous les Seigneurs des Anneaux, les Hobbits. Il y a certains scénarios, je me suis inspiré de Seigneur des Anneaux. D'accord. Et aussi du Hobbit, vraiment. Ce qui est assez drôle, c'est que dans un de mes JDR, il y en a un, c'est un elfe, il y en a un, c'est un an, et ils s'entendent super bien. Et du coup, ça me rappelle Seigneur des Anneaux à chaque C'est fois. ça, ouais. T'as vu les films, est-ce que tu as lu les livres également? Le seul film et livre que j'ai où j'ai lu, c'était Harry Potter. J'ai lu les livres et j'ai vu les films. D'accord. Seigneur des Anneaux, j'ai commencé à lire le livre, j'ai un ami qui m'a dit, ouais, regarde les films, c'est pareil. Alors, à chaque fois, je me dis, généralement, c'est pas du tout pareil. Donc, il y a plus de détails dans les livres que dans les films. Mais ouais, au final, du coup, Ouais. j'ai juste regardé les films. Ça prend moins de temps aussi. De toute Aussi. façon, les livres n'ont pas disparu. Si tu veux les lire un jour, ils sont Ils sont toujours là. là. Parfois, les fans de jeux et de fiction comme toi donc, aiment bien accumuler des objets de leur univers favori. Est-ce que toi, tu es collectionneur? Et si oui, de quoi? Alors, moi je collectionne alors quelque chose qui n'a rien à voir avec les JDR. Je collectionne les mugs. Ok. Les mugs en tout genre. Donc, les mugs, en gros, je collectionne les mugs de manga, j'ai un mug One Piece, j'ai un mug DC Comics, j'ai un mug Marvel, j'ai un mug Deadpool. J'ai des mugs, mais ça reste quand même dans l'univers comics, manga. Ouais, tu disais que ça avait rien à voir, mais un peu quand même. Mais effectivement, c'est pas un objet utilitaire dans le sens où c'est pas un jeu vidéo. Mais c'est C'est en. ça, Voilà, ok. voilà. Après, j'ai une grosse collection de mangas. Si on va dans l'univers jeux vidéo, bah, j'ai toutes les consoles, que ce soit anciennes jusqu'aux nouvelles, sauf la PS5 et l'Xbox, parce que je joue la nouvelle PL et les nouvelles PS, parce que du coup, je joue beaucoup moins, parce que je me consacre beaucoup au JDR. En fait, tu collectionnes, enfin plutôt tu as conservé des consoles de jeux, et parfois Oui. certaines qui sont très anciennes. Ça va être quoi ta plus ancienne console de jeu? Par exemple, la NES, la Super NES, D'accord. ça part de l'été 64, la première Xbox, comme je disais, ouais, la première console portable, on l'a aussi, toutes les Game Boy, on a toutes les consoles. On n'a pas la Sega, mais D'accord. bon, je pense que c'est déjà pas mal ce qu'on a. Les petites collections. La plus ancienne qu'on a, nous, c'est la Nintendo 64, que ma femme avait achetée à l'époque où elle était démonstratrice dans un supermarché, et elle l'avait achetée avec des bons qu'elle avait gagnés sur son travail, tu vois. Donc on a vu la Nintendo 64 gratuite, et c'était notre première console. Et elle en a toujours, et elle marche toujours, parce que c'est increvable. Ah oui, nous aussi, elle marche toujours. On fait des petits Mario 4 de temps en temps. Ouais. Est-ce que tu as d'autres passions ou d'autres centres d'intérêt qui n'ont aucun lien avec les mondes imaginaires ou avec le jeu? J'adore la pêche. Vraiment, quand je pêche, je pense à plus rien. Je pense même pas au JDR, même pas aux jeux vidéo. Voilà, C'est ton moment à toi de relâcher, tu lâches quoi, de lâcher prise. Ça, je. C'est vraiment un autre monde où vraiment je ne pense à rien d'autre qu'à la pêche, quoi. Généralement, j'y pense tous les jours. Avec le confinement, c'était dur d'aller pêcher en ce moment. Mais bon, je pense que dès que ça fait un moment que j'ai arrêté, je pense que je vais m'y remettre. Mais dès que je peux, je retournerai pêcher. Et tu vas sur un site qui est situé près de chez toi? C'était pas quand je partais en Vendée. D'accord. Quand on part en vacances, je prenais ma canne à pêche et puis Voilà, tu pêches pas dans les Yvelines, quoi. voilà. Non. Ok. Pas Ah, il y a sûrement des sites, hein, je sais pas. dans la Dans pollution. la pièce d'eau des Non, Suisses, à côté du château de Versailles, par exemple. je pêche pas dans la pollution. D'accord. Très bien. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Que tu voudrais nous dire que tu n'as pas eu l'occasion au cours de cet interrogatoire. J'ai envie de faire de la pub pour mon JDR, qui Mmh. m'a. Ouais. D'ailleurs, je suis en train d'éditer, enfin que je veux éditer, que je veux partager avec tout le monde, parce que plusieurs fois on m'a demandé
Est-ce que votre jeu est en vente? Et à ce moment-là, j'étais en... C'est-à-dire que mon jeu était en évolution. C'était des versions bêta. Et quand on te... Alors que le jeu n'est pas fini, on te demande est-ce que ton jeu est en vente? Et tu dis non. Et qui sont... les personnes sont déçues. Bah, t'as envie d'éditer ton JDR. C'est flatteur ça qu'on te demande, est-ce que ton jeu est en vente? Oui, c'est très flatteur. Oui. Ça m'a fait plaisir, surtout que plusieurs tables me l'ont dit. Donc, ouais. Je vais faire en sorte que mon GDR soit en Donc tu es en train de le mettre en forme, de le rédiger, de... C'est ça, ouais. Ça prend du temps, mais bon, ça. T'as ton Ça... sommaire, tu sais ce que tu vas mettre dedans. Ouais. Ah, j'ai déjà fait les lords des dieux, tout ça, enfin de. T'as avancé à combien? 30%, 50%, plus? Ah, plutôt 25%. 25%, d'accord. Il y a encore un peu de travail. Ouais, parce que mon JDR est encore en évolution, du coup il évolue avec les joueurs, et les joueurs qui me le rendent bien d'ailleurs. Parce qu'à chaque fin de partie, je leur demande ça va, qu'est-ce que je pourrais changer ou quoi. Et en ce moment, ils n'ont rien à dire. Donc je sais que ça se passe bien et que bah, du coup je note tout ce qui va bien, et puis quand ça va pas, je change. Ou quand même si ça leur plaît pas, bah il y a des choses je trouve que c'est adapté, donc je le laisse comme ça. Mais généralement je suis à l'écoute de mes joueurs, donc voilà. Cool. Super. Bon bah merci Thomas. Comme ça on saura mieux qui t'es, ce que tu fais, ce que t'aimes, etc. Ton jeu, bah, on le connaît pour la plupart d'entre nous, on le connaît. Maintenant, certains ça ignoraient sans doute que tu étais en train de le mettre en forme. Et Oui. puis comme ça, bah, on le sait. Super. Bon bah je te remercie. Attendez, je vais couper l'enregistrement déjà dans un premier temps. Tac.